Bonjour à tous et bienvenue sur Final Fantasy XVI pour la suite de notre grande aventure avec Clive. Je suis vraiment content de vous retrouver. J'ai le cerveau complètement retourné par ce jeu. Plein de questions. Vraiment, j'espère qu'on aura des réponses. On arrive en tout cas au nouveau repère qui se trouve sur un lac. Vous le voyez, le lac Bennu. C'est plutôt original. Et en tout cas, on a enfin la magie de la foudre. La magie de Ramu, parce que vous le savez, hélas, grande perte. On l'aimait bien. Sid est mort, il nous a légué ses pouvoirs. Alors regardez, on a une attaque qui est vraiment, vraiment énorme. Ça s'appelle la foudre du jugement. 4 étoiles en attaque, c'est énorme. Il me semble que c'est la plus haute que j'ai vue au niveau de l'attaque. Par contre, ça coûte 2300 points. Bon bah écoutez, on va patienter, on va mettre un peu de côté. Mais cela dit, est-ce que ça vaut le coup de la prendre ou alors d'améliorer plutôt les autres? C'est vrai que ça peut se discuter. Une chose d'ailleurs que j'avais pas captée dans l'épisode d'hier, parce qu'à la fin, on a pu découvrir justement ce nouveau pouvoir de Ramu. J'ai tenté donc la justice de Ramu, tu sais, où tu dois envoyer les boules. Et en fait, ça n'a pas marché. J'ai fait ça pour rien parce qu'il faut après, quand t'as envoyé les boules, tirer dessus. C'est marqué. Tu vois, ça entraîne leur détonation et tu vois les éclairs. Donc maintenant que je sais ça, bien sûr, on va s'en servir de la bonne manière. Parce qu'effectivement, quand tu ne lis pas à quoi correspond et comment utiliser vraiment la compétence, tu fais n'importe quoi. Ah, te voilà, Clive. J'ai reçu un message relatant tes aventures ce matin. Victor te remercie. Maintenant, tout le monde me voit comme un renégat. Et en plus, nous avons attiré l'attention de Hugo Kupka, ce qui peut être dangereux. Et les pourvoyeurs n'ont pas voulu qu'on les aide. Du nouveau pendant notre absence? J'ai envoyé Gab en mission pour surveiller les Dalmec, car je soupçonne un coup fourré. Il devrait plus tarder à rentrer. Entendu. Je vais faire le point avec Viviane alors. J'ai encore du mal à la cerner. Drôle d'idée de vouloir étudier dans un endroit pareil, même si elle dit que c'est la seule chose qu'elle aime. Sa façon de penser est unique. On a besoin de gens comme elle. Je suppose que maintenant que nous sommes au repère, on a récupéré donc la possibilité, la carte de la zone, d'avoir une boutique, également de faire les quêtes secondaires, etc. Objet à valeur, ok, on retrouve la forge, voilà, les shops, tout ça, tout ça. Très bien. On va parler à Viviane. Est-ce que je dérange? Oh, tu es rentrée? Je me demandais si tu aurais la chance de t'en sortir vivant. Décidément, la mort ne veut pas de toi. Je te retourne le compliment, ma chère Viviane. Oh, j'ai juste été la cible de quelques tentatives d'assassinat, la routine. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Alors, que me vaut l'honneur de ta présence? Tu viens pour une leçon de Viviane Neufcomte? Tu as beaucoup à m'apprendre. Voyons voir. Commençons par les conflits entre les divers états. Le monde est aujourd'hui rongé par le fléau noir et en proie aux ravages de Sid le Renégat. Mais en réalité, ce ne sont pas les seules plaies auxquelles Valistea doit faire face. Car tout cela renvoie à l'influence de Sambrek. Situé au nord-est du continent du Verponant, le Saint-Empire de Sambrek voit depuis plusieurs années son territoire rongé par le fléau noir. Pour conquérir de nouvelles terres, l'ambitieuse nation multiplie les escarmouches avec Valeud, son ennemi de l'autre côté de la mer. Mais cette grande puissance compte dans son giron le primordial Odin. Il n'est pas chose aisée que d'arracher une parcelle de territoire à un adversaire aussi pugnace. Aussi, Sylvestre, le Saint-Empereur de Sambrek, a-t-il tourné son regard vers le Dominion du Cristal, une cible non moins riche en ressources. Il y a 5 ans, alors même que votre groupe s'apprêtait à détruire Chef Drac, Sambrek a lancé une offensive sur le Dominion et l'a immédiatement soumis. Ce n'est pas par hasard si ce petit pays insulaire est surnommé « Centre du Monde ». C'est en effet un point stratégique de la plus haute importance. Le contrôle de cet archipel assure un accès privilégié à l'ensemble de Valistea. C'est précisément la raison pour laquelle la cité-État était protégée par un pacte de non-agression signé par ses différents voisins. Mais Sambrek viola ce traité, rompant ainsi le fragile équilibre entre les quatre. L'Empire de Sambrek, la République de Dalmeki,
le royaume de Valeud, et Elanen Yareign, le royaume de Fer. Chacune des quatre nations se bat pour assurer sa subsistance dans une époque trouble. Les choses sont plus claires. Tout ça ne présage rien de bon. Oui. Plusieurs régions du monde sont dans une position délicate. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais qui sait ? Peut-être que le vent de la tempête apportera de bonnes choses au repère. Bien. Pour ce qui est du paiement pour la leçon d'aujourd'hui, je te demanderai d'effectuer une petite commission pour moi à titre de compensation. Vraiment ? Bon. Rapporte cet ouvrage au prof à la bibliothèque. Tu lui diras que j'ai trouvé ça correct. Bon, j'imagine que je pourrais aller faire un tour à la bibliothèque. J'imagine. Eh bien, allons-y, on doit parler à Harpocrate. Visitons un petit peu ces lieux. Alors, je pense que j'ai pas besoin de passer à la boutique. Quoique, on a terminé un gros chapitre, je pense. D'ailleurs, pour info, au niveau de la durée, au niveau de la progression actuellement, on est à 46% de ce que j'ai vu quasiment à la moitié du jeu, quoi. Alors, il y a des nouveautés. Plus cher que celle de notre capitaine. Caron. Bienvenue. Voyons voir. Alors, juste bienvenue. Ok, elle est pas très motivée à causer. Est-ce que tu as des nouveautés ? Actuellement, non. Bah, tu sais quoi, on verra après. On verra après avant de partir, parce que peut-être qu'on aura des ajouts. Souvent, on a une petite notif. Harpocrate. Professeur Harpocrate. Tiens, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis fort longtemps. Si bien que j'en viendrais presque à oublier qu'il s'agit du mien. Content que tu sois de retour. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu te rapporter ce livre. C'est de la part de Viviane. Tiens donc. Décidément, notre jeune chercheuse dévore les ouvrages à une vitesse exceptionnelle. Si j'étais aussi rapide qu'elle, je pourrais peut-être accomplir plus vite la mission que tu m'as confiée. Malheureusement, je n'ai plus ces capacités. D'ailleurs, j'ai parcouru les livres que nous avons reçus récemment, mais sans y découvrir de nouveaux indices. Hélas, il me sera peut-être difficile de découvrir la véritable nature de cette énigmatique entité que tu as rencontrée, un chef Drac. Je vois. Malgré tous ces livres, même pour un érudit comme toi, la réponse reste difficile à trouver. Si après tout ce temps nous ne trouvons rien, cela doit sortir de l'ordinaire. Actuellement, j'étudie des vieux ouvrages nordiques. Je te dirai si je trouve une nouvelle piste. Très bien, je te remercie. Tu sais, Clive, cet endroit est un paradis pour moi. Je me plonge dans les livres chaque jour en me délectant de fruits et de graines. Le prof, il fait rien que de manger toutes les noix du potager d'abord. C'est vrai, moi aussi je l'ai vu. Même qu'il a toujours mal au ventre après. Allons, c'est très mal de dénoncer et soyez un peu plus respectueux. Je vois qu'ils vont bien. Oui. Ça leur a été bénéfique de venir à la bibliothèque. La mort de leurs parents les a durement marqués. Ils sont parfois tristes. Nous avons tant perdu en ce jour funeste. Des amis, notre ancien repère. Pour ceux qui restent, ces blessures sont encore vives. Il faut plus que du temps pour guérir la douleur. Pardon, Clive. Je parle, mais tu dois être fatigué après ta mission. Je ne te retiens pas. Merci. Gab ne va pas tarder. Je ferai bien de me reposer pour le moment. Oh que oui, tu en as bien besoin. Après tant d'actions. Et ça va vite revenir. T'inquiète pas. Bonjour, Clive. À peine rentré, tu es déjà en train de rendre service à tout le monde. Bonjour, Mélanie. Voilà redevenu un simple mercenaire grincheux avec ce visage. Maintenant que je n'ai plus de tatouages, je suis un homme normal aux yeux du monde. Grâce à ton opération, tout est plus simple. Ça élargit le champ des possibles. Quelle douce musique à mes oreilles. Ah, à propos, Otto dit que tu as reçu une lettre de Gab. Elle est dans ton bureau. Une lettre de Gab ? D'accord. Je vais voir ça. Ménage-toi quand même, hein ?
Oui, on va aller se reposer. Mais c'est vrai que j'ai grandement envie de tester mes nouveaux pouvoirs. Je me demande pourquoi. Boum ! C'est ce qu'on va voir. Alors oui, on va aller se reposer, mais j'avoue que j'ai très très envie de tester encore plus mon nouveau pouvoir de foudre. Tiens, attends, il y a un nouveau truc là-dedans. Collection. Symbole du serment. Attends, c'est nouveau ça ? Voir détail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Symbole du serment. Ah oui, c'est ce qu'on avait fait avec Sid. Voir détail et tout précédent. Ok. Des objets à valeur sentimentale, d'accord. Donc ça, c'est le premier. La boîte aux lettres. Les lettres reçues par Clive sont accessibles par le biais de la boîte aux lettres qui se trouve dans sur son bureau. Il arrive que de nouvelles lettres soient livrées en progressant dans l'épopée ou dans certaines quêtes. Alors, salut Clive. Sambrek a conquis le Dominion, mais l'armée d'Almec est en marche pour déloger l'Empire. Les colosses de pierre sont aussi de la partie. Si tu veux mon avis, ça va chauffer. Je t'en dirai plus dès que je serai rentré. Gab. Qu'est-ce que Gab nous raconte ? L'armée d'Almec marche vers le front. Ce qui laisse Randella sous la surveillance de Kupka. Par conséquent, ses hommes et lui doivent être très occupés. Ils ne devraient pas nous embêter. Tant mieux, alors. Tu te rends compte ? C'est l'occasion rêvée. C'est tout ce qu'on attendait. Regarde le chemin parcouru. Tout ce que nous avons accompli, nos camarades, ce repère, c'est déjà beaucoup, tu sais. 5 ans. 5 ans que nous attendons. Si seulement je pouvais contrôler les pouvoirs d'Ifrit, nous serions bien plus près du but. Mais à chaque fois que j'essaie, il y a comme quelque chose qui m'en empêche. N'oublie pas qu'il est extrêmement éprouvant d'incarner un primordial. C'est ton corps qui essaie de te protéger. Parce qu'il sait que la transformation n'est pas bonne pour toi. Oui, mais ça veut dire que tu souffres à ma place. Nos pérégrinations m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir, mais elles m'ont aussi donné une nouvelle certitude. Les cristaux nous nuisent plus qu'ils nous aident. En échange de quelques moments de confort, nous menons une vie de servitude et de peine, guerre après guerre, deuil après deuil. Et puis, voilà qu'ils détruisent même nos patries. Ils ne nous laissent que des cendres et des regrets. Mais tu veux changer les choses. Nous voulons changer les choses. Et pour ça, je veux bien souffrir. Je sais, mais... Souviens-toi, Clive. Nous sommes en vie parce que Joshua nous a donné une seconde chance. Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher ce qu'il nous a offert. C'est vrai. Il était là. Ce n'était pas une illusion. Je l'ai entendu s'adresser à Ultima. Ah, je me demandais si elle l'avait vu. S'il pensait qu'il était réel ou pas. Si Joshua est encore en vie, il doit rechercher cette créature. Crois-tu que nous le reverrons ? J'en suis sûr. Et il faudra que nous soyons prêts. Un monde sans cristomère. Acide. Voilà qui remet du baume au cœur. Ah, au même moment, on retrouve Justin Bieber. Nord du Verponant. Il ne reste rien du Nord.
Je savais que le fléau s'étendait, Votre Altesse. Mais ça... ça, c'est pire. Bien pire que tout ce que j'imaginais. Le Verponant deviendra bientôt inhabitable. Notre monde est en train de mourir sous nos yeux et nous pourchassons une ombre. Dis-moi, Clive, faisons-nous fausse route ? Oh, Clive, un moment, s'il te plaît. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est rien. Nous étions en train de parler stratégie. Que se passe-t-il, Otto ? C'est Martha, de l'auberge. Elle a disparu. Enfin, bon. Venez me trouver quand vous serez prêt. Entendu. Ça tombe bien, nous sommes prêts. Un malheur n'arrive jamais seul. Je m'inquiète pour Martha. Allons voir Otto. Allons-y alors. On me dit pas qu'apparemment il y a de nouvelles armes et autres. Pour l'instant. La forge elle est où ? Bon, on verra plus tard. Ah oui, la stèle d'excellence, donc ça c'est pour l'entraînement il me semble. J'y suis pas retourné pour info parce que je trouve que je maîtrise plutôt bien le système de combat. Qui est vachement bien d'ailleurs. Plus on avance et mieux c'est, et je pense que quand on aura débloqué tous les pouvoirs, c'est là où on aura le vrai potentiel du jeu. Mais contrairement à ce que j'avais dit dans un épisode, non, les combats sont pas accessoires du tout. Qu'est-ce qui se passe, Otto ? Des soldats sambrécois en poste à Rosalia se sont introduits dans l'auberge pour y causer du grabuge. Il y a eu des blessés, d'après mes informations. Et apparemment, Martha a disparu dans la confusion. J'ai peur que ça ne soit pas bon signe. Tu crois que c'était voulu ? Souviens-toi de l'estange. Ça a tout changé. Les sambrécois ne se gênent plus pour être ouvertement violents depuis cet incident. Au nom du gouvernement d'occupation, ils massacrent ceux qui aident les pourvoyeurs en les taxant de démophiles, de dissidents souhaitant ramener l'ancien régime. Et ce n'est pas tout, ils s'en prennent même aux pourvoyeurs maintenant, il n'est plus simplement question de les confisquer. Bien sûr, Martha nous a parlé de ses problèmes, il lui était de plus en plus difficile de protéger les pourvoyeurs. Tu crois que ça pourrait être ? Martha a fait beaucoup pour notre cause. Il faut la sauver. Est-ce que tu peux aller voir ? J'ai déjà envoyé les lames de pierre. Tu veux bien les rejoindre et les aider à retrouver la trace de Martha ? Vous serez pas de trop, si tu veux mon avis. C'est entendu. J'espère revenir avec de bonnes nouvelles. Espérons que ça se passe mieux que notre dernière recherche. Je me souviens, on a retrouvé Quimpaigne. Viviane. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Alors, la chronique de Viviane, le rôle de Viviane au repère. Ah d'accord, mais c'est juste pour discuter ? Et fais attention à toi. Oh la flemme. Bon du coup, se rendre à l'auberge de Martin. Mais c'est par où exactement ? Alors, montre-moi, c'est par là. L'auberge. Ah ouais, donc il faut que je trouve le bon point. Bibliothèque, réfectoire, le jardinet. Mais où est l'auberge ? Je vais quand même aller faire un tour à la forge, parce que je me dis que peut-être il y a des nouvelles armes. Ça pourrait être important. Là, qu'est-ce que c'est ? La tourte au chocobo. Oh, l'orchestrion ? C'est quoi cette bête ? C'est un jukebox ? il est possible de changer la musique. Eh ben oui ! De fond du repère, le nombre de partitions disponibles augmentera en progressant dans l'épopée ou en trouvant dans les coffres. D'accord ! Le repère de Clive sombrait dans la mélancolie. Ok, donc c'est bien un jukebox. Cool ! La forge maintenant elle doit être par là-bas. On va voir si on a de nouvelles armes. Ce serait cool. Et l'auberge, bah je sais pas où elle est pour l'instant. J'ai pas l'info. Alors, qu'est-ce que tu as ? Ah oui, c'est mieux. Ok. Bah écoute, fulgurance. Je prends. Matériaux, on est bon. Je m'équipe tout de suite. Ensuite, nous avons. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux le reste. Renforcement. Est-ce que je peux renforcer un truc ? Attends. Je regarde, non et non. Bon, à plus tard. Ok, merci monsieur. Donc l'auberge de Martha, je ne sais pas du tout où elle est. On va essayer de rechercher, mais j'ai pas l'info. Mais oui, non mais attends. En fait, faut se tirer.
Bien sûr. Allez, on y va. Hameau de l'auberge de Martha. Non mais je te jure. J'ai parcouru toute la zone. Tout le repère. Je me suis dit, mais c'est où cette auberge? Ils ont pas d'auberge au repère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on rejoigne les autres. Ces enfoirés sont peut-être encore dans les parages. Vous avez besoin de soins, madame? Sid? Je savais pas que vous seriez là. Ah, je comprends mieux. C'est ton équipe qui a été envoyée ici. Otto m'a tout raconté. Oui, c'est à sa demande qu'on est là. Ces soldats sont vraiment des sales brutes. Ils ont même frappé des clients. Martha a essayé de les en empêcher. Mais ces barbares l'ont arrêté et emmené sans autre forme de procès. Est-ce que tu sais où elle est? Je sais juste qu'ils sont partis à l'ouest, vers la crique des tourments. Peut-être qu'ils comptent aller au monastère de Saint-Glédemont. J'en ai bien peur. On va partir à leur poursuite. Vous, occupez-vous des blessés. Compris. Mais Sid, juste une chose. D'après un des témoins, les soldats ont parlé d'une purge. Tout ça ne me dit rien qui vaille, vraiment. Alors soyez prudents. Toi aussi, Cole. Qu'est accepté une heure sombre de l'histoire. Le pire dans tout ça, c'est que bien sûr je me rappelle de cette auberge, je me rappelle de Martha. Mais je sais pas pourquoi j'avais complètement oublié. Donc en fait non, je m'en rappelais pas. Bref. Une purge. Je n'ose imaginer ce que ça veut dire. C'est sinistre. Pourtant, les pourvoyeurs sont gérés et suivis par l'État. Il s'agit d'une ressource précieuse pour le pays. Les soldats ne peuvent s'en prendre à eux impunément. À moins d'agir sur ordre des autorités. Allons-y. Alors, on se souvient de la zone. Par contre, ouais, c'est des grandes zones. Parfois, comme ici, on est très libre. Et on n'a pas de moyen de locomotion. Ce qui est un peu énervant parce que du coup, on est très, très lent. Mais au moins, ça nous exerce un peu au combat. Ah, si je tenais ces vermines. Ah, si je tenais ces vermines. Eh bien, allons-y. La crique des tourments. Ouais, ça va, c'est pas trop loin non plus. Hein. Se rendre au monastère. Allez, c'est parti, j'ai envie de combattre, moi, un peu. Attends, je passe en mode éclair. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Et nous avions donc tempête de foudre. Et là, tu peux viser... Ah non, c'était pas tempête de foudre, pardon. C'était... la justice de Ramu, voilà. Là, tu les vises. Bon, par contre, faut pas qu'ils te touchent, hein, cet enfoiré. Évidemment. Tu fais comme ça, admettons. Tac. Et après, par contre, faut tirer dessus. Ah, voilà, et là, tu vois les éclairs. En effet. Bon, c'est quand même good. Je m'énerve. La transcendance, c'est juste incroyable, mesdames et messieurs. Oh, la puissance dépassée ses limites. Quand je te dis qu'il y a un petit côté DBZ, c'est incroyable. Étreinte, viens par là. Oh, puis la musique, c'est masterclass, quoi. Enfin, je veux dire... Je comprends pas parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ce FF16. Critiques négatives, hein, je parle. Il y a aussi des bonnes critiques, attention. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui le critiquent, genre... Genre c'est plus un FF, c'est devenu un jeu d'action, un Devil May Cry et tout. Jill, mais ça lui va tellement bien. C'est Martha. Martha, est-ce que vous êtes blessée? Ça ira, merci. Mais les gens du monastère, il faut les secourir et vite. Dites-nous ce qui s'est passé. C'était horrible. Les chevaliers noirs ont attaqué, la rumeur disait vrai. Les chevaliers noirs? Les fameux chevaliers noirs, ils ont débarqué et m'ont emmené. Et les pourvoyeurs, ils se sont interposés pour m'aider à m'enfuir. Leur courageuse résistance a fait diversion, si bien que j'ai pu m'échapper et courir jusqu'ici. Compris. Alors, ils sont en danger. Martha, vous pourrez rentrer à l'auberge toute seule? Cole est là-bas, il vous protégera. Ça ira. Merci, Clive. Ces chevaliers noirs, qui peuvent-ils bien être? Je suis certain que Viviane n'en a jamais parlé. Si même elle ne les connaît pas, c'est très intriguant. Allons vite au monastère. Nous en avons besoin. Allez, d'accord. C'est tellement incroyable. Bon, par contre, le problème avec ça, c'est que quand tu te fais toucher, eh ben voilà quoi. Allez, hop là. Électricité! Ah, t'as vu, ça va sur les trois. Oh, mais c'est tellement beau. Allez. Les portes dessus, on les termine à rapidos. Vous êtes trop nuls tous.
Ah oui. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai remis la charge. Parce qu'on m'a dit, si, la charge, c'est mieux que le coup d'aile. Du coup, j'ai remis la charge, et d'ailleurs, pour info, elle est hyper puissante, et vous l'avez vu, on peut le faire dans les airs. Et ça, c'est vachement bien. Et j'ai mis en équipement en plus, j'ai changé, j'ai mis ceci. L'ardeur d'Ifrit, charge enflammée. Donc ça augmente les dégâts de la compétence d'Ifrit, charge enflammée, de 12%. C'est pour ça que c'est hyper efficace. Et on a toujours, effectivement, l'ardeur de Garuda qui augmente les dégâts de la compétence Garuda, rapacité, donc de 15%. Franchement, ça le fait. Ça le fait trop bien. La charge, au final, c'est vraiment une bonne compétence. Oh, des araignées ! Les araignées, ça déteste le feu, bien sûr, on le sait. Allez, tiens, goûte à mes ailes. Regarde la charge. Ah oui, mais... Mais c'est vrai que c'est bien la charge, parce que ça reste vraiment, t'as l'impression, sur l'ennemi, quoi. Ah ouais. C'est assez incroyable. C'est la première fois que j'attire comme ça une araignée vers moi. En général, je préfère les garder à distance. Allez, on retourne vers le monastère, du coup. On arrive trop tard. Allons voir à l'intérieur, vite. Non. Bon sang. Qu'est-ce que vous fichez là, tous les deux ? Assassin ! C'est vous qui avez attaqué l'auberge. L'aubergiste a dû appeler à l'aide. Peu importe, ce ne sont que des mercenaires. Si vous êtes de mèche avec ces dissidents, vous serez exécutés, vous aussi ! Les pourvoyeurs et ceux qui les aident sont impurs. Ils ne méritent que la mort. De notre noirceur renaîtra une nouvelle aube. Au nom de nos couleurs d'ébène, nous faisons le serment d'apporter la paix à nos terres pour les millénaires à venir. C'est donc cela votre raison d'être, les chevaliers noirs. Clive. Ouais, on y va. Tu m'as traité de mercenaire. Mauvaise idée. C'est parti. Quelle grosse erreur. Mais la charge, ouais, c'est carrément bien, vous avez raison. Oh, t'as vu les trois comme je les ai emmenés avec moi? Insane. C'est choquant. On y va. Tiens. Souffre. J'aurais voulu taper une esquive, j'en ai pas tapé une depuis le début, c'est quand même terrible. Je saute vers le bas. Non, je voulais, pas grave. Oh, c'est fou! Oh là là! Ce qu'on leur a mis! Chevalier noir vaincu. J'ai dû me faire à peine toucher. En récompense, Guy officinal, minerai draconique. Il n'y en a plus d'autres? Je pense que non. Quête terminée. Ah, vraiment, je suis content de ne pas faire de quête secondaire de mon côté, parce que je trouve qu'on a largement le niveau et que le jeu serait encore trop simple si vraiment je jouais de mon côté. C'est mieux comme ça. Faisons le tour des lieux. Il y a peut-être des survivants. Oui, j'essaie de me convaincre que c'est mieux que je ne joue pas de mon côté, que je n'avance pas dans les quêtes secondaires. Allez. De toute façon, j'ai pas trop le temps, donc... Quelle horreur. C'est l'abbé. Ils sont presque entièrement pétrifiés. Ils ont épuisé leur dernière force pour le protéger. Clive, il est vivant. Martha nous envoie. N'ayez pas peur. Et les impériaux? Alors? C'est bon. Nous les avons tués.
Merci. Malheureusement. Ces chevaliers noirs, ils reviendront. Tuer les pourvoyeurs, c'est leur mission. Ces purges ont commencé à Rosalys. Maintenant, il y en a partout. Dites à Martha de demander de l'aide à Sid. Et dites-lui que ce n'est pas sa faute. Ouais. D'accord. Sid ! Où êtes-vous ? Sid ! Par ici ! On a trouvé un survivant ! Clive ? Il est mort. En même temps, il a des pieds, c'est du béton. Nous avons enterré l'abbé. Quant aux pourvoyeurs, leurs corps sont tombés en poussière. Je vois. Voilà donc leurs restes. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance, mais ils se sont battus jusqu'au bout, pour défendre ceux qui les avaient recueillis. Si Martha a pu s'enfuir, c'est parce qu'ils ont combattu les impériaux malgré leur état de faiblesse. Il faudrait disperser leurs cendres, pour leur dire au revoir comme il se doit. Je connais un endroit adapté, le pont Dridoc. Ce n'est pas très loin d'ici. L'abbé lui-même y allait pour disperser les cendres des victimes de la pétrification. Nous pourrions faire de même. Je m'en charge. Merci. Cole, nous devrions rester ici et mettre un peu d'ordre. Allez, j'ai les restes des pourvoyeurs. Bon, on ne les voit pas physiquement, mais on les a. Est-ce qu'on peut couper ? Bah, je pense que non, parce qu'après, de toute façon, quand... Quoique, là, on passe juste à côté. Ah bah non. Les murs invisibles, c'est vraiment moche. Eh oui, à travers la flotte, on ne coupe pas, normalement. Tiens, je vais récupérer les objets qu'il y a sur le chemin. Oh, des petites veuves. Coucou ! Allez, la charge. Mais c'est insane. Ah, heureusement que j'ai retesté parce que je me serais privé d'un truc là. Laisse tomber. Dinguerie. Trop content. Trop content vraiment de l'avoir. D'avoir remise cette compétence. Je suis sûr que vous étiez frustrés. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, qui ont joué et qui. Ah, mais faut carrément faire le tour là, ça passe pas du tout. Oh, mais que vois-je. Un monstre ailé. Qu'on n'a encore jamais vu. Salut toi. Oh, et il se marre en plus. Harryman, cible d'élite, rang C. Attends, mais c'est une première ça. Récompense 5000. Oh, une cible importante. Alors, on peut trouver aux quatre coins de Valistea des ennemis extrêmement dangereux qu'on appelle des cibles d'élite. Donc on va se méfier. Les vaincre permettent d'obtenir des récompenses et des matériaux rares. Il est toujours possible de fuir après avoir engagé le combat contre une cible d'élite. Éviter les affrontements contre les ennemis de trop haut niveau est généralement préférable. Alors ça dépend les niveaux combien. 25, ça va ? Allez. J'aime pas quand il fait ça. Il explose. Ok, il me pose des boules d'énergie. J'aime pas les masses. Ça non plus, à vrai dire. Écarte-toi. Ouais, je préfère me tailler. On va observer un petit peu. Ok, la boule que j'esquive, on va essayer de... Encore ? Double esquive, là ça sent le rayon laser, voilà, bien joué. La foudre. Alors, c'est pas une attaque incroyable de foudre celle-là, je trouve. Bon, t'es comme ça. Transcendance. Allez. Transcendance, bien sûr, très efficace, vous le savez. Déstabilisé. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Plus de magie. Du coup, on frappe. Ce combat est complètement dingue. Plus de 10 000 de dégâts. Énorme. Attention.
Ah, tu peux rien faire contre le fait qu'il te pose des boules d'énergie, hein. On ne peut absolument rien faire. Sors de la zone. Alors attention à pas sortir de la zone de combat aussi. On sait jamais. Allez. Prends une super potion. Dans le doute. Reste dans la zone de combat, comme je disais. Double boule. Magnifique l'esquive. Reste sur lui, pas. Ah, mais je l'avais pas looké. Oui. C'est bio les foules. Transcendance. Maintenant. C'est incroyable. Regardez un petit peu, mais quel jeu, les enfants. Oh là là. 11 500. Ah ouais. Alors il y a peut-être moyen d'esquiver le fait qu'il te balance comme ça le truc, j'en sais rien. Oula, sors de la zone, sors de la zone, sors de la zone. Tout roule ma poule. Prends ça. Attaque de foudre, elle est trop lente. Je prends une petite potion. C'est vrai qu'il est vénère celui-là. Ça change les autres monstres, mais c'est trop cool. Oh, zut alors. Magnifique. Allez, conclusion maintenant. Transcendance. Vont d'abuser. Tu es fini. Ce combat encore. Première cible d'élite vaincue. Magnifique. Il en a pris plein la vue. Ah bah il en peut plus. Il tire à langue, hein. Ouais, il était marrant. Attends, je peux le caresser? Ah non, c'était... c'était bon chien. Allez, on fait le tour. Ouais, je pense que c'est obligatoire qu'on passe donc par ce chemin, qu'on doive le battre lui et tout. Super. Bon, effectivement, il avait un niveau supplémentaire, ce qui est pas énorme. Mais les autres ennemis, je pense, de la mission principale, à mon avis, sont même que nous. Après, à voir si c'est normalisé ou alors si c'est vraiment que le jeu est bien conçu pour qu'on n'ait pas à faire de quête secondaire. Répandre les cendres. Que ces eaux vous lavent des péchés de ce monde et vous guident vers l'au-delà. Que leur âme trouve le salut. Elle le mérite. Qu'en est-il du monastère ? On a fait ce qu'on a pu. Cole est retourné à l'auberge. Rejoignons-le. Il s'inquiétait à propos de Martha. En route. Allons-y. Logiquement, je dois pouvoir me téléporter, non ? Je pense. On regarde. Ouais, on peut se téléporter ici directement, le hameau de l'auberge. Et regardez un peu le temps de chargement. C'est assez fou. Waouh. C'est même un peu plus long que ce que j'aurais pensé. Parce que quand on charge de partie, quand on est dans le menu principal, ça met genre une demi-seconde. Enfin, c'est... C'est fou. Alors, ils sont tous morts. C'était trop tard. Avant de mourir, l'un d'entre eux m'a dit qu'il ne fallait pas t'en vouloir. Pourtant, c'est ma faute. Je suis responsable de tout ça. C'est vrai que tu as dispersé leurs cendres. Je t'en remercie. Je m'en veux tellement. J'aurais dû les protéger. Allons, ne dites pas ça. Tu sais, j'avais entendu des rumeurs au sujet de Purge, mais je n'y croyais pas. Ça fait des mois que mes clients en parlent. Un escadron impérial appelé Chevalier Noir aurait attaqué plusieurs villages pendant la nuit et massacré des pourvoyeurs. Les soldats en poste sont de plus en plus brutaux et tout le monde a peur. J'imaginais que cette histoire de Chevalier Noir n'était qu'une rumeur lancée par des gens impressionnables. Je comprends que vous n'y ayez pas cru. Ce que font ces Chevaliers Noirs est inexcusable. D'ailleurs, je me demande... Quel peut être leur but ? Sont-ils liés au massacre de l'Estange ? Agissent-ils sous les ordres de ma mère ?
Quoi qu'il en soit, il faut absolument protéger les pourvoyeurs des chevaliers noirs. Ce qu'il me faut, c'est des armes et des mercenaires aguerris. Nous allons résister. Je ne laisserai pas les impériaux commettre une autre purge, ni s'en prendre à nos alliés. Ça ne va pas se passer comme ça. Oh, j'allais oublier. On a reçu un Stolas d'Otto juste avant que tu arrives. Il voulait que je te dise que Gab est de retour. Alors je dois rentrer. Est-ce que ça va aller, Martha ? Voulez-vous que nous restions encore un peu ? Ça ira. Je sais à quoi m'en tenir et je vais me préparer. En revanche, ça nous serait très utile si une partie des membres des Lames de Pierre pouvait rester et renforcer nos rangs. Quête terminée. On est bien peu de choses. Allez, on gagne quelques pièces. Aigle noir. Échangeable contre des guilds. Ah, ça m'intéresse. Le pognon. Se rendre au repère via le map monde. Yes. Eh bien, allez. C'est quoi cette icône, là, de la... Ouais, c'est une quête secondaire, je crois. Bon. La map monde. Donc, c'est par ici. Voilà. Et donc, retour... au repère. Tout de suite. Ça cadre bien avec ce jeu, c'est que vraiment, c'est très rapide au niveau des temps de chargement. C'est un régal aussi à ce niveau-là. Le rythme est parfait. On enchaîne vraiment les quêtes principales. C'est... pour un let's play, alors je tiens à dire, c'est un jeu parfait à faire en vidéo. Vraiment, je suis très content. Je commence à m'inquiéter pour coller les... Ah, Clive, ton sourire commençait à me manquer. Fais-moi un rapport. Bah alors ton vieux pote Gab a même pas droit à un bonjour. Oh, tu sais bien qu'il aime pas ça, parler de la pluie et du beau temps. Assieds-toi donc, idiot. Bon, tu te rappelles que Sambrex s'est empressé d'occuper le Dominion quand ils ont perdu Chef Drac. Et puis que tous les autres États se sont dit qu'ils auraient dû faire pareil quand ils en avaient l'occasion. Oui, des décennies d'indépendance balayées d'un revers de la main. Le traité ne valait vraiment rien. Il est sûr que la promesse d'abondantes ressources de cristal et de terre saine était irrésistible pour l'Empereur. Mais les Dalmecs ont décidé de s'en mêler, finalement. Ils parlent de libération, mais c'est un prétexte pour déclarer la guerre à Sambrec. Ils campent aux portes du Dominion en ce moment même, et assiégeront les Impériaux aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, maintenant, tout le monde surveille la mer d'Orta. Pendant que les deux armées s'épuisent, les autres affûtent leurs couteaux, pour mieux attaquer le vainqueur du siège. Personne ne nous verra venir. C'est le moment de s'en prendre aux autres cristomères. Comme vous le savez, il reste quatre cristomères. Souffle Drac, à Yarantalm. Crodrac, en Dalmeki. Et Shindrak, à Valeud. Et Kodrak, là, dans le Dominion du Cristal. Quand le plus gros de l'armée d'Almec sera en marche vers Port Gémeaux, Crodrak sera sans défense. Oui, mais Kupka nous y attendrait, tu ne crois pas ? S'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs à son sujet, c'est qu'il adore les pièges. Mais je pense à un endroit où vraiment personne ne nous attendra. Souffle Drac. Oui, sauf qu'il y a une mer à traverser quand même, et moi, la natation, c'est pas mon fort. Moi, je connais quelqu'un à Port-Iseux qui pourrait nous aider. Ah bon? Qui ça? Mon oncle. Byron Rosefield. Sir Byron Rosefield, l'aristocrate, le mania du commerce avec des comptoirs absolument partout? Attends... Rosefield... C'est vrai que t'es un Rosefield, mais bien sûr! Notre nom a ouvert des portes à mon oncle, mais c'est à son talent qu'il doit sa fortune. Et à un nombre important de navires.
Ben, c'est plié. Qu'est-ce qu'on attend alors? Hein? Hein? Ah, c'est celui qui donne les quêtes secondaires. Ne serait-ce pas des avis de recherche? Comptoir des quêtes, comptoir des récompenses et tableau des contrats d'élite disponibles. Voilà, c'est les contrats d'élite. Comme les monstres qu'on a eu avant. Nouveaux services, vous avez désormais accès à de nouveaux services au repère. Le comptoir des quêtes, des récompenses et contrats d'élite, ils apparaissent sur la carte de la zone, accessible avec le pad. Très bien. Bon, on n'ira pas aujourd'hui, mais c'est bien. Enfin, je pense qu'on n'ira jamais. Ne traînons pas trop et allons vite à Poriseux. Soyons honnêtes entre nous, se rendre à la falaise des Obereaux via la map monde. Eh bien, c'est parti, on y retourne. Ça se trouve par là. D'accord, c'est pas loin. Allez. Une zone rocheuse, rosalienne créée par les mouvements tectoniques, et dans laquelle se trouvent de nombreuses formations de pierres de toutes formes. Allons retrouver notre oncle. Tu crois qu'on a bien fait de partir sans Gab? Il avait l'air motivé. Il nous est beaucoup plus utile en tant qu'espion en Dalmeki. Il ne faut pas que Kupka nous surprenne. Et puis, c'est pour ça qu'il est doué. Ça, c'est vrai. Oui, et Sid disait toujours qu'il valait mieux confier ce genre de mission aux émissaires. Nous avons plus de chances de nous en sortir si un petit pépin se présente, comme il disait. Je savais que je retournerais au royaume de fer. Ça devait arriver un jour. Comment ça? Quand tu as su pour Ifrit, tu as fait ce qu'il fallait pour affronter ton passé. Moi aussi, je dois vaincre les démons qui me hantent et tourner la page. Je serai là pour t'aider, tu sais. Merci, Clive. Allez. On en saura plus sur Jill dans la prochaine séquence, sur la route de Poriseux. Ta mère a-t-elle beaucoup d'influence par ici ? J'ai peur de voir le même genre d'horreur dans le sud qu'à l'auberge de Martha. C'est bien possible. Allons nous renseigner. Il y a plusieurs villages entre ici et Poriseux. Arrêtons-nous sur la route et parlons aux habitants. Nous sommes près du village d'Embrune. Il me semble bien que les chocobos sont sauvages par ici. Voilà. Niveau 24, donc effectivement ils sont bien au même niveau que nous. Pas comme les bestioles. Hein. Je t'emmène au vent. Allez bien, je t'emmène au-dessus des gens. Ok. Bien joué, Jill. Là aussi, il me semble que c'est des plantes, ça. Je ne dis pas de bêtises. Bah oui, des fleurs fatales. Magnifique. On attaque un peu dans le vide, mais c'est pas grave. Double attaque dans le vide. Allez, viens par là, ma grande. Ouh. Ah d'accord, je peux pas la tirer d'aussi loin non plus, faut pas déconner. Mais quand même, il y a une bonne portée, je trouve. Allez. Petit lock, tac tac tac. Ils sont que deux, non, je crois. Ah non, il y en avait un troisième. Autant pour moi. Allez, on recommence, tac. Voilà. Électrifié. Excellent. J'y vais. Oh, dans les airs, ça marche trop bien. Ah, je suis fana. Je suis fana de la charge. Vraiment, c'est... c'est la meilleure attaque depuis le début. Heureusement que je l'ai remise. Heureusement. Bon, il y a une autre que j'aimerais bien avoir, c'est celle qui est très très large, mais elle coûte très cher. Ils se comportent vraiment comme des voyous.
Ça serait jamais arrivé du temps de l'archiduc Elwynn. Pas si fort! Tu veux te faire attraper ou quoi? Jill, là-bas. Rosalia doit être nettoyée de tous ces éléments nuisibles. Si vous en abritez, vous ferez aussi l'objet de purges, conformément aux ordres du gouvernement. Si quelques éléments isolés commettent des infractions, vous serez tous punis. Alors agissez en conséquence. Bien entendu, messire. Nous le rappellerons à nos concitoyens. Que font les chevaliers noirs dans un si petit hameau? Ils ne vont pas trouver beaucoup de pourvoyeurs. Ils sont peut-être ici pour autre chose. Les chevaliers noirs. Si les chevaliers noirs t'entendent parler du bon Dieu... Alors, qu'est-ce que tu as pour moi, jeune colporteur? Qu'est-ce qui vous intéresse? Épée de Gaïa, c'est pas mieux. Ah bah non, c'est clairement pas mieux. Je regarde vite fait tout de même, on sait jamais. Ouais, non merci. Les potions, je suis pas à fond, tiens, je vais en prendre une là. Élixir, tiens, c'est nouveau ça. Une potion curative restitue la totalité des PV maximum. D'accord, par contre, ça coûte 10 000 à chaque fois. Ah oui, non, c'est hyper cher. Laisse tomber. Celle de force également. Augmente attaque de 10%. Non, je vais reprendre des selles de défense. Vous avez l'œil, en tout cas. C'est bien. Passy, ok, Nectar, on l'a déjà. Super. Interroger les habitants. On va interroger deux. C'est reparti. Vous les avez vus, pas vrai? Pardon? Les chevaliers noirs, c'était eux. Enfin, je crois. C'est la première fois que je les vois. Ils sont impressionnants, vous trouvez pas? Mais alors, ils n'étaient jamais venus auparavant? Bien sûr que non. C'est un vrai trou perdu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils pensaient qu'on abritait des rebelles. Si seulement c'était vrai, je pourrais les capturer et me faire remarquer. Et il nous en reste un deuxième. Je suppose qu'il faut que je monte encore plus. Eh bien non. Destination atteinte. Bah attends, j'y suis pas. Bon. Il est où le deuxième? Ah oui, là-bas. Alors attends, avant de l'interroger, parce qu'après ça va s'enchaîner, je suppose. Niveau point de compétence, on est à combien? 1000 seulement? Putain, je pensais avoir beaucoup combattu. Il me faut 1695 pour feu résurrecteur. Parce que ouais, l'idée, ce sera peut-être de remplacer le cyclone écarlate. Alors c'est un peu dommage de le remplacer parce qu'on l'avait amélioré en plus. Mais je pense que ce serait bien de le remplacer par feu résurrecteur. Parce que pareil, c'est une attaque de zone, tu vois, assez large. Et bah, beaucoup plus efficace, je pense. Donc ce serait la bonne remplaçante. Excusez-moi, mais que font ces soldats chez vous? Vous savez pas? Il y a des rebelles dans les parages. Ils provoquent les impériaux, ils leur volent des armes, et tout porte à croire qu'ils se cachent pas loin d'ici. Les impériaux veulent des informations à leur sujet. Vous en avez? À vrai dire, non. C'est dommage pour vous. Les chevaliers noirs ont promis une récompense à ceux qui dénonceront les coupables. Alors comme ça, les chevaliers noirs seraient à la recherche d'un groupe de rebelles. On dirait. J'aimerais en savoir plus. Interroger les villageois, c'est pas encore fini? Tu te fous de moi, là. Bonjour. Nous sommes de passage. Bah ça se voit. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est au sujet de ces soldats impériaux qui étaient là, tout à l'heure. Je t'interdis de parler à ces étrangers. En tant que maire, je représente les villageois. Nous ne vous dirons rien de plus. Je vous demande de partir. Et ce, immédiatement. Puis-je au moins savoir pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, ni même qui vous êtes. Mais je sais que votre présence nous met tous en danger. Le gouvernement nous surveille déjà. En venant fouiner ici, vous attirez l'attention. Comme les chevaliers noirs pourraient raser notre village, nous ne voulons pas de ça. Vous me trouvez peut-être lâche. Mais pour protéger notre village du courroux d'Annabella, je préfère me soumettre à l'Empire. Vous comprenez? Embrune pourrait bien finir comme l'Estange. Dans ce cas, nous partons. Et heureusement que je dis pas que je suis le fiston. Je te dis pas sa tête. C'est de ma mère que ces gens ont peur. Il faut espérer que le gouvernement les laissera tranquilles s'ils se tiennent à carreau.
Leur loyauté est basée sur la peur. Jill, ça va ? Excuse-moi. Ce n'est rien. Nous ne savons toujours pas qui sont ces rebelles. Non. Mais quoi qu'il en soit, les Impériaux semblent prêts à tout pour les retrouver. Et si, comme Martha, d'autres Rosaliens essayaient de protéger les pourvoyeurs, ils pourraient devenir nos alliés. Sauf si les Impériaux les trouvent avant nous. Nous n'avons qu'à poursuivre notre route en posant des questions. D'accord. J'en ai un peu marre de poser tout plein de questions. Se rendre à Poriseu. Ah, d'accord, on a fini d'interroger les villageois. Attends, est-ce que... je suis passé par là. Les montagnes. Nous ne pouvons nous fier ni aux gens, ni aux monstres. Alors restons sur nos gardes. Va y avoir du combat, je le sens bien. Vraiment sympa cet environnement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est ce qu'on avait, je me souviens. À l'intérieur. Qu'est-ce qui les a réveillés ? La destruction du cristal noir ? Je ne crois pas que ça se passe. Impeccable. Maintenant, transcendance. Vous êtes faible. C'est bon, c'est fini ? Calme-toi, Roger. Ah, d'accord, on peut la désactiver en appuyant sur les deux sticks. Ça se trouve, comme ça, on peut ne pas utiliser complètement les deux jauges. Tu vois, si jamais on réappuie. À voir. Attends, je viens d'où, moi ? Il semble que je vais être là-bas. Du coup, par ici. Ouais, c'est bien ça. On fait le tour. Il y en a d'autres. Ouais, je vous ai pas vu, les gars. Bien sûr, ils se réveillent. Tenez. Oh, la charge. Oh, comment c'est bien. Mais comment c'est bien. Bon, j'ai utilisé un peu moins mon autre attaque de feu dans le vent, mais c'est pas grave. Je suis amoureux de la charge. Il faut dire qu'en plus, on a augmenté les points de dégâts qu'elle faisait, donc... forcément, efficace. Non, ça par contre, c'est un peu dans le vide. Il y a un coffre. L'attaque électrique, alors ça c'est efficace contre un boss seul. Mais en vrai bof bof contre plusieurs ennemis quoi. A chaque fois j'ai terminé avec la charge, c'est fou. Allez avançons. Pour l'instant je booste pas les compétences parce qu'on s'en sort très très bien. Et parce que je garde de côté, je vous l'ai dit, hein, pour l'attaque qui coûte 1600 et quelques. Pour ne pas dire 1700 quoi. Mais bordel de cul! Mais mon dieu! Ah, c'est largement la meilleure attaque depuis le début du jeu! Y a pas photo, vraiment! C'est choquant! Là aussi, de pouvoir les attirer comme ça, c'est un plaisir! Finito! Oh là 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 là! Ce qu'on leur met maintenant! Un vrai régal. Attention à la chute. Tout va bien. Attends, je vais traverser, mais d'abord... j'ai vu du sang. Mais d'abord, j'ai... yeah ! Putain, mais... m'a fait peur. J'ai eu super peur. Je te jure. Alors, les araignées, quand je sais qu'il y en a, ça va, je maîtrise, mais... mais quand elles me surprennent comme ça, quand elles descendent, laisse tomber. Hein. Mon dieu. Bon, je vais quand même pas passer en transcendance pour une araignée, hein, pas déconner. Gain de niveau. Allez, on passe niveau 25. Super. Donc logiquement, ouais, on est à plus de la moitié du jeu, les amis. Logiquement. Bon, en même temps, on a fait des vidéos de 2h30, hein. Donc, bon. Clive, c'est du sang. Et il est encore frais. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Encore vous. Vous savez qui nous sommes, et pourtant vous nous menacez. Vous en êtes alors? C'est bien. Nous n'avons pas eu à vous chercher, et nous n'aurons pas à vous torturer avant de vous tuer. De notre noirceur renaîtra une nouvelle aube,
Au nom de nos couleurs d'ébène, nous nous faisons le serment d'apporter la paix à nos terres pour les millénaires à venir. Pour qui vous vous prenez ? De quoi je me mêle ? Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Ah, ça les soulève ! Ah, je savais même pas. Ok. Allez. Let's go. Allez, pique. Vas-y, Talgor. Les chevaliers noirs. Ils vont pas faire long feu, moi je vous le dis. Tiens, sur les autres plutôt. Eh, t'as vu, on les emmène avec nous. Insane. Oh, c'est tellement cool. Ah lui par contre il a osé me toucher. Ah ouais. D'accord, bon je voulais être sympa, je voulais rester en mode normal. Bon finalement, fallait pas faire ça les gars. Vous avez déchaîné l'enfer. Ah, ah. De l'autre côté, tac. J'essaie de varier un petit peu les magies, les différentes attaques. Insane. Chevalier noir, vaincu. C'est trop. Franchement, j'adore ce système de combat. Je trouve que ça marche trop bien. Répondez à nos questions et vous ne souffrirez pas. Qui est-ce que vous cherchez ? Je sais très bien qui vous êtes. Et j'ai un message pour vous. Nous avons retrouvé vos amis. Les pourvoyeurs que vous vous étiez donné tant de mal à libérer. Ils vous attendent à Oldil. Très cher gardien de l'étincelle. Oldil est juste là. Dépêchons-nous. C'est reparti. Ah oui, en effet, c'est juste devant. Tiens, attends, je vais aller récupérer l'objet là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment, hein ? Et ma jauge de transcendance qui remonte au fur et à mesure. Mais ça remonte plus vite, évidemment, quand on combat. Attendez, je monte un peu la clim. Ce qui fait un peu frais. Je vais prendre une crève, si ça continue. Vive la clim, hein, n'empêche. Hein. C'est pas très écolo, mais putain, c'est bien. Tu sens quelque chose ? Peut-on faire ça ? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vraiment comprise. Mais ça... Oh, Clive... Je veux comprendre la folie qui l'anime et y mettre un terme. Partons d'ici. Oui. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est sûr.
Il faudra revenir pour leur donner une sépulture. Et je me demande dans quel état est Poriseux. Eh bien, quel carnage, les amis. C'est triste. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Je pense pas. Bon, allez. Au niveau de la carte, maintenant, est-ce qu'on peut se téléporter? Logiquement, non. Pas du tout, parce que c'est pas une zone qu'on a débloquée. Eh ben, écoute, allons-y. Allons-y. Voilà le viaduc de B8. Mais je ne pense pas que les impériaux nous laisseront aller vers Rosalys. Par contre, je comprends pas vraiment pourquoi on ne me file pas un chocobo. Ouais, pour XP, pour combattre. Le viaduc de Bewit. Bonjour. T'en tiens, hein? Ouais, fait très gris. Ils sont tous rosaliens. Ils sont pourtant chez eux. Tu me prêtes ton chocobo? Vous me prêtez votre chocobo? Le mec bien relou, ça. Je veux un chocobo. Il y avait un jeu, il me semble, Chocobo Racing, un truc comme ça, un jeu de course. Plage des Quiets brisants. Des Quiets brisants. Be Quiet, c'est une marque de ventilateur PC. Salut vous! Allez. C'est parti! La charge, magnifique. Vas-y! Oh là là, mais quelle maîtrise dans les combats maintenant, ça y est. C'est le pied ultime, les amis. Bon, je me répète, hein, je sais bien. Fulgurant. Pour le kiff. C'est terminé. Ah. On va attaquer un peu dans le flou. On avance. J'ai la vie pleine, 4 potions, 3 super. Beau rivage. Ces grandes maisons, c'est bien le bourg du Saint-Secours ? Oui, mais ça a bien changé. Ma mère s'en est prise aux nobles qui vivaient ici. J'espère que mon oncle s'en est mieux tiré. Allez, c'est vrai que c'est joli comme endroit. C'est un beau rivage. On les emmène tous. Le plaisir absolu. Viens par là, toi. Reste ici. Oh là là, mais c'est trop bien! Ah, il y a un crabe. On va bien laisser tranquille, on va quand même pas combattre tous les monstres de la zone. Pas déconner. Avançons. Voilà les portes de la ville. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à vouloir entrer. Et un monolithe. On pourra se téléporter ici comme ça. Laissez-nous passer! Les enfants crèvent de faim! Ayez pitié! Ils valent pas mieux qu'un appela! On disparaîtra pas comme ça! Par pitié, laissez-nous nous réfugier en ville! Vous êtes pas les bienvenus ici! Alors dégagez! Parlez-vous! Pour prendre ces foutues rapaces! Les cristaux nous appartiennent aussi! Nous n'avons aucune chance de passer inaperçu. Cherchons une autre entrée. Je pensais que nous pourrions nous arranger avec les gardes. Ou négocier au moins. Les choses ne sont pas si simples, malheureusement. Y a-t-il une autre entrée ? Officiellement, non. Officieusement, oui. Mon oncle m'avait raconté qu'il existait des tunnels que les nobles avaient fait creuser pour s'enfuir en cas d'attaque. De ce que je me souviens... Il me semble qu'il débouche au Saint-Secours. Allons voir. Le quartier avait l'air complètement abandonné. Nous serons tranquilles. Oui, s'il est vraiment abandonné. Évidemment que non. Une étincelle dans les ténèbres.
Il ne semble pas y avoir de chevaliers noirs à Port-Iseux. C'est déjà ça. Ils ont dû trouver d'autres gens à martyriser. Je me disais aussi, on a un joli bourg et on ne va même pas le visiter. Une honte. Bien sûr que si, on y va. Allez. 5 guilds. Ah oui, j'avais un truc à revendre au fait, qui rapportait des guilds. Qui ne servait à rien d'autre. Ouverture. Bourg du Saint-Secours. Ça a vraiment beaucoup changé. C'était pourtant un quartier si prospère. C'est vraiment joli. Par contre, je pense que... Eh, t'as vu ? Regarde comment il saute. On dirait un bébé qui saute. Eh, sérieux, il saute pas haut, hein. Regarde. Donc, je dois aller où ? Bah, écoutez, on avance par là. Ouais. On n'est pas tout seul. Hé ! V'là des intrus ! Excusez-nous. On va vous laisser tranquille. Ou pas. Tant pis pour vous. Je vais essayer de vous laisser en vie. Bon. Pas grave. Allez. C'est une brochette. Aïe aïe aïe, je te jure. Ils sont bêtes, hein. C'était votre chance. Aïe aïe aïe. Allez. J'envoie la sauce. À fond les ballons. Aucune pitié. Même si vous n'êtes que de simples bandits. C'était vite expédié, hein. Brigand vaincu. Allez. 350 pièces supplémentaires, j'ai 35 000 guilds. Votre style à l'épée me rappelle quelqu'un. Qui est-ce qui vous a formé ? Vous êtes bien curieux pour des brigands. La bénédiction de Phénix ? C'est impossible. J'étais là quand vous êtes mort. Mes excuses, Seigneur. Je ne vous avais pas reconnu. Wade, à votre service. Ah oui ! Bon sang, c'est vraiment vous. C'est moi. Sir Wade. Je vous invite chez nous. Et ceux qui rejetaient l'Empire, alors ? J'ai rassemblé quelques gardiens qui restaient loyaux à l'archiduc. Nous avons été forcés de fuir. Puis nous avons formé les gardiens de l'étincelle pour résister à l'Empire. Hélas, nous sommes peu nombreux et plutôt jeunes, alors comparé à l'armée d'occupation, notre force de frappe est limitée. Enfin, même si nous nous battons dans l'ombre, nous avons réussi à leur mettre la pression. Ces derniers temps, il ne reste plus beaucoup de pourvoyeurs à Rosalia, et nous essayons de protéger ce qui reste des purges de l'Empire. Les purges. Êtes-vous au courant pour Old Hill ? Oui. C'est typique des Chevaliers Noirs et d'Annabella. Ouais, il paraît. Mais je ne comprends pas... comment elle en est arrivée là. Je savais qu'elle détestait les pourvoyeurs. Mais avant, elle les voyait comme une ressource utile. En vérité, j'ai l'impression
que sa cruauté ne connaît plus de bornes depuis qu'elle a ordonné le massacre de l'Estange. Elle élimine tous ceux qui lui déplaisent. Elle encourage la répression et incite les soldats à la violence. Et puis, après la naissance de son fils avec l'Empereur, son obsession pour les pourvoyeurs n'a fait que s'aggraver. Selon moi, c'est sans doute qu'elle cherche à éliminer la moindre souillure du futur empire de son cher enfant bien-aimé. Son fils... Sir Wade, les chevaliers noirs sont en marche. Le corps principal se dirige vers Bewit. Alors préparez-vous. On y va! C'est le corps principal. Donc nous pouvons les décapiter. Si on réussit, ça évitera peut-être une autre tragédie, comme celle d'Oldil. Si on ne fait rien, on aura le sang des prochaines victimes sur nos mains. Nous aussi, Sir Wade. Comme vous, nous sommes témoins des crimes des Chevaliers Noirs, et nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ils agissent au nom de ma mère. Alors je me sens d'autant plus concerné. Il faut agir. Je me battrai à vos côtés. Pour l'avenir de Rosalia. Ha ! J'espérais bien que vous en seriez. Très bien. Si c'est ce que vous désirez, je serai honoré de vous compter parmi nous. L'honneur est pour nous. Sir Wade, accomplissons notre devoir. À votre service, Seigneur. Préparons-nous, puis allons parler stratégie avec Sir Wade. Ils ont l'air plutôt bien approvisionnés pour des rebelles. Un plaisir de retrouver Wade. Alors, est-ce que tu as quelque chose de nouveau, à votre service. Cher intendant, l'épée de Gaïa? Non, c'est pas mieux. 35, 35, je regarde vite fait, c'est la même chose. Ce fut un honneur de vous rencontrer, messire. Plaisir partagé. Nous sommes prêts, Sir Wade. Comment procéder? C'est très simple. Vous, Dame Jill et moi, allons nous rendre au viaduc. Nous y attaquerons le corps principal des Chevaliers Noirs. Ils verront ça comme une occasion de se débarrasser de nous. Ils vont donc appeler des renforts, c'est évident. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mes collaborateurs sont postés à des points stratégiques des environs. Les renforts n'arriveront pas, ce qui nous laisse une chance face aux unités présentes sur le viaduc. Les Chevaliers Noirs sont des combattants de très haut niveau. Mais ils agissent toujours en petits groupes. Avec vous deux, on devrait pouvoir les vaincre. Vous n'avez pas l'air confiant. J'admets que nous étions préparés à subir de lourdes pertes. Mais vous êtes venus à notre rescousse. La prudence n'a jamais été votre point fort. Vous n'avez vraiment pas changé. Sir Wade, nous avons enterré les pourvoyeurs d'Oldil. Parfait. Maintenant, allez vous préparer. À vos ordres. Merci, Sir Wade. Nous ne voulions pas les laisser comme ça. Nous pouvons venger les victimes de ce massacre. Alors finissons-en avec les Chevaliers Noirs. Bien dit. En route. Quête acceptée pour Rosalia. 800 pièces. Membre temporaire de l'équipe. Un personnage temporaire vient de rejoindre l'équipe, donc Wade, je suppose. Les persos temporaires ne font partie de l'équipe que sur la zone où vous vous trouvez. Ils ne vous suivront pas si vous vous déplacez. Si vous vous déplacez, je vais y arriver sur la map monde. Allons-y. Vaincre le corps principal des Chevaliers Noirs. Bon bah je pense qu'on a le titre de la vidéo. Les Chevaliers Noirs. Le Phénix vous bénisse, Sir Clive. Je suis déjà béni. Allez. Donc c'est vous qui surveillez les Chevaliers Noirs. Oui, nous essayons en tout cas. Mais depuis qu'ils ont découvert notre existence, nous sommes dans leur ligne de mire. Alors cette fois, nous voulons frapper un grand coup, en les provoquant pour éliminer le corps principal. Allez, on se dépêche, on suit. Plus vite les enfants. Oula, des chocobos.
Ça sent le piège. Non, bah non. Qu'est-ce que c'était que ces soldats? Partons vite ici. Les gens sont pas confiants. Qu'est-ce qui leur prend? Ils sont là. Je me tiens à vos ordres, Seigneur. On va les affronter. Sans peur ni crainte. On ne passe pas. Vous le savez bien. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Et nous avons un message pour la vice-reine. Ah ! C'est donc à ça que vous ressemblez. Comme si deux vagabonds crasseux, une femme et un klebs, pouvaient nous défier. Au moins, vous nous facilitez le travail en vous jetant dans la gueule du loup. Allez, venez ! Ça fera quelques nuisibles en moins dans ce pays ! Pour Rosalia ! Pour Rosalia ! Il m'a traité de crasseux et nuisible. En avant ! Ça, je ne laisse pas passer. Éliminez ces... Allez ! Ça va faire très mal, je vous le dis. Allez, je prends tout le monde. Voilà. Ça rigole moins, les gars. Maintenant, transcendance. Vous allez tous mourir dans d'atroces souffrances. Fallait pas me chercher. C'est pas vrai. Ils ont des renforts malgré tout. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça qui va me faire peur. On était au courant. Redescends. La parade. C'était pas voulu, mais c'est magnifique. La foudre. La charge. Ah, par contre, j'ai balancé ça pour rien. Viens par là, toi. Petit Wyvern. Ok. Par contre, quand on est à court de power magique, c'est un peu plus compliqué. Justice. Envoie. Ça sert littéralement vraiment de tous les pouvoirs. Déstabilisation. Prends ça. Il est mort. Adieu. Allez, descends de là-haut, toi. C'est fini. Oh non. Comme c'est beau. Dans d'autres circonstances, votre courage serait presque admirable. Mais il ne sert qu'à nous prouver que nous avons raison à votre sujet. Les Rosaliens ont vraiment besoin d'une poigne de fer. C'est parti. Oula, attention, je prends une super potion. La charge. Reste sur lui et là on passe en mode transcendance. Reste là, veux-tu? Esquive. Oh là là, ce qu'on lui met. À fond, tous ensemble. Il y en a d'autres. Je peux pas faire mieux. 19 000. 19 000 de dégâts. Incroyable. Plus de magie. Oh là 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 là. C'est tellement furieux. Quel plaisir! Ouais. Je me fais contrer là. Ah, d'accord. Parce que je voulais. Ouh! Super potion. On assure. Je vois sur elle le coup. Pas envie de mourir alors que je fais un super combat. Oh là, mais c'est pas vrai! Pourquoi? C'est terminé! C'est fini, mon pote. Tu m'as trop touché.
Et voilà, on termine avec la charge. Corps principal des chevaliers noirs éliminé. Ah, le gros, il est un peu plus costaud. C'est vrai. Mais pas de taille face à mon génie. À ma puissance. Je crois que c'est terminé. Oui. Le plan de Sir Wade a fonctionné. Alors ça, j'arrive pas à y croire. Si on a pu battre le corps principal des chevaliers noirs, c'est grâce à vous. Merci, vraiment, merci. Après ça, les impériaux devraient se calmer. Pour un moment, en tout cas. Peut-être. Mais je pense que vous n'en avez pas fini avec ma mère. Il ne s'agissait que de quelques hommes et elle les remplacera. Je le sais, et tout recommencera. Parfois, je me demande s'il n'est pas trop tard pour sauver le pays que nous connaissions. Rosalia est plongée dans les ténèbres, et son peuple souffre. Nous avons beau lutter pour protéger ce qui reste du pays d'autrefois, nous sommes presque impuissants face à nos ennemis. Mais c'est bien pour ça que nous devons continuer. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Nous défendrons notre patrie, quoi qu'il arrive. Parce que tant que les flammes de Phénix brûleront en nous, il restera un peu d'espoir à Rosalia. Nous voulons que notre peuple continue à rêver du jour où nous vaincrons ces ténèbres et reprendrons le contrôle du pays. Sir Wade. Enfin bref, mieux vaut ne pas traîner ici, sinon toute la garnison va nous tomber dessus. Allez, rentrons à Port Iseux. Quête terminée. Pour Rosalia. Une quête de courte durée, mais très intense. Beaucoup de combats aujourd'hui. Très plaisant. Je n'aurais jamais cru que mon oncle serait associé à un groupe de rebelles comme vous. Ça fait un moment. Sir Byron nous aide financièrement depuis que j'ai fondé les gardiens de l'étincelle. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous connaissiez le tunnel. Si vous n'étiez pas parti à sa recherche, alors nous ne nous serions sûrement pas retrouvés. Vous disiez que vous utilisiez ce tunnel pour communiquer avec Sir Byron ? Oui, parce qu'il est dangereux pour lui de nous rencontrer. Il n'a pas d'autre choix, donc il fait semblant d'être loyal au gouvernement d'occupation. Mais en vérité, il fait tout ce qu'il peut pour lui nuire. C'est pour ça que si vous allez lui parler... Vous devriez faire attention, Sir Clive. Non seulement il vous croit mort depuis longtemps, mais des années de résistance ont fait de lui un homme méfiant. Il ne serait pas étonnant qu'il refuse de vous rencontrer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, mais je ne suis pas certain qu'il vous croira. Je dois trouver un moyen de lui prouver que je ne suis ni un fantôme ni un menteur. J'ai justement quelque chose qui pourrait vous servir. C'est l'insigne des gardiens. Portez-le et ceux qui sont loyaux à notre patrie sauront que vous êtes l'un des nôtres. C'est un honneur, merci. L'honneur est pour nous. Et je suis heureux de voir ce que vous êtes devenu après toutes ces années. Si seulement Sir Tyler avait pu voir ça. Ou le général Murdoch. Merci, Sir Wade. Si jamais vous avez besoin d'aide. Je sais. À bientôt, Seigneur. Port Iseux, province impériale de Rosalia. Au clair de lune. Résidence de Byron Rosfield. C'est trop facile. Tu crois qu'ils nous font confiance au sujet de notre identité ? Sûrement pas. À mon avis, il nous prend pour des imposteurs ou des voleurs. Mais il veut se charger de nous lui-même.
Imaginez ma surprise lorsqu'on m'a dit que mon neveu était là pour me voir. Clive Rosfield est mort il y a longtemps. Pour avoir sali sa mémoire, vous allez payer de votre tête! En plus, vous vous moquez de moi! C'est moi, Sir Crandall de Camelot, fidèle disciple de la Sérénissime, Sainte Sibylle, la Bienveillante. Madou, ô vil sorcier, tes crimes contre l'Église et la Couronne sont passibles de mort. Par tous les enfers, cette maudite sorcière Sibylle, même morte et enterrée, elle ne me laissera donc jamais tranquille. Quant à toi, que ce sort te fasse passer l'éternité dans l'adversité, la souffrance et le tourment. Bravo, mon oncle. Le rôle de Madou te va toujours très bien. Oh, oh Clive, mon cher petit. Alors, c'est vraiment toi. C'est vrai que tu as toujours adoré cette scène de la geste de Crandall. Tu ne me laissais jamais jouer, Sir Crandall. J'ai une faveur à te demander, mon oncle. Rutherford, dites à la cuisine de servir le dîner. Nous avons des invités. Mais je... Alors là, il est absolument hors de question que tu ne me racontes pas comment tu t'en es sorti autour d'un bon repas. Asseyez-vous donc. Et surtout, sortez la belle argenterie, Rutherford. Vous êtes donc arrivé sur le site d'un de ces lynchages, c'est ça? Depuis qu'elle est devenue régente, Annabella n'apporte que des ennuis à Rosalia, mais ses atrocités dépassent les bornes. Quelque chose a changé. Je ne sais pas quoi au juste, mais la femme que nous connaissions semble s'être transformée en un monstre. Un monstre? Mais quoi qu'il en soit, je représente le gouvernement à Port-Iseux. Je dois donc au moins faire semblant de lui être loyal. Tout au plus, puis-je apporter mon aide à Wade et à sa bande de révolutionnaires. Oui, il nous l'a dit. Tu as pris des risques pour Rosalia. Notre pays te sera toujours redevable. Dire que ça fait 20 ans, Clive. La nation pour laquelle nos ancêtres se sont embattus n'existe plus. Peut-être qu'il en serait autrement si j'avais eu le courage de mon frère. Enfin, si c'est d'un bateau dont tu as besoin, alors j'ai ce qu'il te faut. J'ai un navire au port récemment déchargé de sa marchandise. Il sera prêt pour votre voyage d'ici quelques semaines. Alors vous nous croyez? Sur toute la ligne? Si je vous crois? Ha! Même un fou ne croirait pas la moitié de tout ce que vous m'avez raconté. Mais c'est déjà tellement invraisemblable que mon neveu soit vivant que je veux bien faire un effort. Et en plus, je sais de source sûre que Clive dit la vérité. Quelle est cette source? C'est toi, bien sûr. Tu n'as jamais, jamais su mentir. À ce point-là,
Il n'a pas tort. Bon, allez, n'en parlons plus. Je ne voudrais pas m'éterniser sur la seule faiblesse de mon neveu. En fait, la seule chose que j'ai du mal à croire, c'est que c'était toi qui te cachais derrière ce fameux Cid. Tu as été un enfant tellement sage, et te voilà devenu un renégat. Ce qui fait donc de moi, si j'ai bien compris, un renégat par association. Alors, qui allons-nous détrousser? Razaford, apportez-moi vite ma hache! À bien s'amuser. C'est un beau bateau, tu ne trouves pas ? Une fois prêt, il devrait pouvoir nous emmener jusqu'à Drustanus et Souffledrac en 3 jours. Jill, tout va bien ? Un monstre. Ce que j'ai fait pour le royaume de fer, je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Ils ont compris que je résistais à la torture. Ils se sont servis d'otages. Alors j'ai fini par leur obéir. Et pour supporter ça, j'essayais de me convaincre que je n'étais que l'arme du crime, pas son auteur. Je préférais occulter la réalité plutôt que d'en affronter les conséquences. Puis, j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Plus rien du tout. J'étais devenue un monstre. Je ne veux plus être un monstre. Clive, est-ce que tu comprends ? Je veux choisir une autre voie, une meilleure voie. Je veux vivre comme je l'entends. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que j'affronte mon passé. Je veux t'aider. Laisse-moi te soutenir, comme tu m'as soutenu. Merci, Clive. Il faut que je me rachète. Sinon, je ne pourrai pas me débarrasser de ce monstre. Tant que toi, tu ne disparais pas. Allez, il faut qu'on dorme. Je voudrais rentrer au repère demain pour tenir tout le monde au courant. Et le bisou, c'est pour le endgame ? Sans déconner ? Non mais oh. Bon alors, allez, partons les amis, on est là, on doit aller au repère. C'est reparti. Alors, le royaume de fer. Je ne sais pas ce qui nous attend à Souffledrac au royaume de fer, mais Viviane devrait pouvoir me renseigner un peu plus. Allons parler à Viviane. J'ai également du courrier.
De nouvelles infos de quête. Est-ce qu'on a de nouvelles armes? Dis-moi avant de partir. Je pense pas. Déjà de retour, Sir Rosefield? Vous mourrez d'envie que je vous raconte une belle histoire? Je pense que je vais m'abstenir. Sinon, je suis encore là demain. C'est vraiment dommage. Donc, c'est à quel sujet? Le royaume de fer. J'aimerais en savoir plus sur eux. Votre prochaine cible est Souffledrac, si je ne me trompe. L'imposant cristal mer qui surplombe la mer frémissante. Il fut un temps où cette terre sainte appelée Drustanus appartenait aux Rosaliens, mais le royaume de fer finit par s'en emparer. Et la Nenia Regne, que l'on appelle Royaume de Fer, est un pays religieux formé par un archipel à l'ouest de Valistea. À la différence de Sambrek, autre puissance religieuse, le Royaume de Fer ne fait pas de la foi un simple instrument du discours officiel. Le dogme occupe en fait une place prépondérante pour lui. C'est la raison d'être même de ce pays. La foi christodoxe est l'axe autour duquel gravite son existence. Cette religion est bâtie autour du culte des Christomères, qu'elle considère comme sacré. À leurs yeux, l'idée de tailler le cristal et plus généralement de l'exploiter est inconcevable. De même qu'ils proscrivent l'utilisation de la magie comme simple ressource. En effet, les fidèles voient l'éther comme une chose impure, une macule, un poison même. Les primordiaux, dont les pouvoirs magiques émanent de cette souillure, sont pour eux de simples armes de guerre. Le royaume de fer se démarque ainsi de ses rivaux. Il y a 80 ans environ, Œil Drac, le cristal mer situé au nord du Verponant, s'est subitement évaporé. Un conflit a alors éclaté entre l'Union des Terres du Nord et l'archiduché de Rosalia. Alors que la guerre prenait de l'ampleur, le royaume de fer y a vu l'occasion d'envahir le territoire rosalien. Ils lancèrent une offensive qui leur permit de s'approprier l'île Drustanus, abritant Souffledrac. Ils firent ainsi main basse sur la terre sacrée de Rosalia. À ton époque, Clive, l'île était déjà devenue un endroit inaccessible aux Rosaliens, où l'on n'envoyait guère que des missions de reconnaissance. Et depuis la chute de l'archiduché, Souffledrac est officiellement devenu un territoire férégien à part entière. Cette île est à présent un précieux pied-à-terre, leur offrant un accès privilégié sur le continent. Drustanus abrite le cristal mer, objet de culte des Férégiens. C'est aussi pour eux une voie vers le continent. De bien des manières, c'est une terre sacrée à leurs yeux. Ils ont toujours comme ambition de conquérir les autres Christomères, comme le dicte leur religion, même de nos jours. Pendant mon enfance, Rosalia et le royaume de fer ont eu plusieurs accros au sujet de Souffledrac. Quand l'incident du Fort Phénix est arrivé, nous préparions justement notre reconquête. En fin de compte, l'assassinat de l'archiduc a fourni au royaume de fer une opportunité en or pour attaquer Rosalia. Le pays était désordonné et affaibli. Les Férégiens ont marché sur Rosalis et capturé femmes et enfants, y compris Jill. Je pense que tu as là une bonne occasion de venger ton peuple, Clive. J'y vais pour détruire le cristal mer, c'est tout. Mais je te remercie. Ceci fut instructif. Allons voir si Jill est prête. Alors, avant toute chose, est-ce qu'on a de nouvelles armes? Je pense pas. Je vais quand même aller check vite fait. Mais à mon avis, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la forge. Quoique je vois un petit rond jaune. Ah mais non, c'est le truc d'entraînement là. Ouais. Non, pas de nouveauté, on est ok. Non, pas de nouveauté. Allez, on va parler à Jill directement. On est bien équipé, franchement, on roule sur le jeu actuellement. Il n'y a pas de raison. Je vais enfin pouvoir régler mes comptes. Tu es prête? Je pense, oui. Jill, quand tu disais que tu devais affronter ton passé, j'aimerais savoir de quoi tu voulais parler, si possible. Oui. Je parlais d'Imran, le grand prêtre de la religion christodoxe. L'homme qui m'a forcé à commettre toutes ces atrocités. Il doit mourir pour ça. C'est la seule façon d'en finir avec mon passé. Il le faut, pour aller de l'avant.
Mais je ne ferai rien d'imprudent. Parce que tu es là pour moi. Toujours. Nous parviendrons à nos fins. Imran et le cristal mère chuteront ensemble. Il est temps d'y aller. Alors finissons-en. Prenons la mer. Allez, direction Cristal Mer de Souffle Drac. Contrôlé par le Royaume de Fer, il se niche au cœur de l'île Drustanus, un lieu saint qui appartenait autrefois à Rosalia. Pas de retour en arrière. Mer frémissante. Baie de Porizo. C'est pratique. Tu fais geler les embruns pour faire de la brume. Tu contrôles tes pouvoirs si finement. Je n'ai pas eu le choix parce que les sangs de rouille m'ordonnaient de le faire pour camoufler leurs vaisseaux de guerre, par exemple. Ne t'inquiète pas. Mais ton bras... C'est peut-être ma seule chance de retourner là-bas. Ma seule chance de me rattraper. Je suis prête à tout. Quel qu'en soit le prix. Compris. Le voilà. Le cristal mère du royaume de fer. Souffle Drac. Des contre-courants, des brisants et de l'éther stagnant. Tout pour plaire. Cette île est une véritable forteresse. Mais cela rend les sangs de rouille négligents. Voilà pourquoi une petite embarcation peut approcher inaperçue. Le sanctuaire est à l'intérieur du volcan. En suivant l'ancienne piste, nous devrions atteindre une porte dérobée. D'accord. En route. Eh bien, on sait ce qui nous attend. Le feu et la glace. Ah, Ifrit et Shiva. Cette île est notre ancienne terre sacrée. Je ne pensais pas m'y rendre un jour. Oui, elle appartenait jadis à Rosalia. Mais le royaume de fer s'en est emparé il y a bien longtemps. J'ai longtemps vécu ici. Je devrais pouvoir te guider. L'éther stagnant a rendu cette zone dangereuse. Il ne devrait y avoir personne. C'est parfait pour s'infiltrer. Ça donne tellement envie. Avec la musique épique en fond, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui, je sais pas si ça vous aura plu. Regardez cette fumée. Waouh. On se retrouve demain pour la suite de la grande aventure. FF16, je passe au play toujours. Merci encore à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu, c'est toujours très plaisir, ça motive. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. A très très vite. Ciao ciao.